we break down news, views, and the hip hop movement. Right now. Alors, présente-toi. Alors, je me présente, Karambar, du crew Badness, qui aussi maintenant le King Fighter, vu que je suis dans un nouveau collectif. Mmh. Et, ton hip-hop origine? Mon hip-hop origine, c'est-à-dire? Bah, comment t'as commencé la danse? Alors, j'ai commencé la danse en 2009 à La Défense. En fait, c'est en force de regarder toutes les vidéos du Juste Debout, parce que j'ai toujours été fan de hip-hop depuis que je suis petit. Mais qu'est-ce qui t'a incité à regarder ces vidéos, en fait? En fait, parce qu'il y a mon beau-frère qui s'appelle Fabien, qui dansait avec, justement, Claise, Chino et toute l'école. La génération d'Aulnay, quoi. La génération d'Aulnay. Et en fait, mon beau-frère était dans la danse, et depuis que j'ai vu danser, ça m'a donné envie de faire du hip-hop. Et après, en même temps, c'est aussi... Bon, après, on va pas se mentir, hein, c'est aussi tous les clips d'Usher et tout blabla qui ont donné envie de faire du hip-hop. Oui, bah après, il y a les clips, c'est la tendance. Les dancers, tous ces trucs-là, toutes ces choses-là qui m'ont donné envie de faire du hip-hop. Mais quand tu dis Usher et street dancer, toi, t'es attiré par le lock. Donc, qu'est-ce qui t'a attiré par le locking? Bah, en vrai, comment expliquer? En vrai, c'est-à-dire que j'ai toujours été fan du... C'est-à-dire que le hip-hop et le pop, c'est des danses que je kiffe depuis longtemps. C'est même des danses que je... Le pop, j'ai commencé par le pop. C'est des danses que je kiffe vraiment, c'est des danses que j'apprécie. Mais en fait, quand j'ai vu le lock, c'est vraiment la danse où je me suis dit que c'est ma personnalité qui va avec ça, en fait. D'accord, mais qui t'a vu en premier faire du lock? Qui t'a donné envie? Que j'ai vu faire du lock, c'est mon ancien binôme qui s'appelait Osama, qui s'entraînait à La Défense. C'est lui que j'ai vu faire du lock. Il y a aussi quelqu'un comme Samir avec qui je suis en binôme aujourd'hui. Samir de l'époque, celui qui est original, qui habitait vers l'Alsace, tout ça. Voilà, ouais, qui était en CDG de là-bas et qui aussi, qui s'appelle Lounès maintenant d'ailleurs. Ouais. Faut que je le précise, c'est une va m'insulter. Ouais. Et voilà, c'est ces personnes-là. Après, il y a eu Pilock, il y a eu Manu, Loïc. Franchement, il y a plein de lockers. Après, c'est toute la génération avant moi, quoi. Et ça, c'est les gens qui t'ont donné envie. Et est-ce que tu pourrais dire que pour l'époque, au niveau de ton lock, il y a des gens qui t'ont donné envie d'aller dans une direction ou dans une autre? Bah, honnêtement, les personnes qui m'ont aujourd'hui donné envie d'aller dans une direction, bah, il y a déjà tout mon crew avec qui je m'entraîne. Il y a aussi Truand qui m'a repris en main et qui m'a vraiment redonné confiance en moi par rapport à... Truand, c'est passe-passe? Non, Truand, jeu de jambes. Ouais, Truand, jeu de jambes. Ouais, jeu de jambes, ok. Il y a aussi Junior Almeida qui m'a redonné confiance en moi. Il y a Jimmy Soul que je remercie beaucoup aussi, Willow. Il y a Soulshide aussi, bon vrai, qui se reconnaîtront. Mais toi, ce que je veux dire, c'est que pour l'époque, quand tu as commencé le lock, est-ce qu'il y a un locker qui t'a donné une certaine envie, une certaine direction dans ta façon, dans ton style de danse ou... Bah, en fait, il le sait, parce que j'en ai déjà parlé avec lui, c'est Pilock. Pilock, en fait, il m'a toujours donné envie d'aller dans une direction, parce que vu que ce mec, il est fort, je me suis donné un objectif d'être aussi fort que lui, en fait, dans les années qui viennent. Donc, c'est vraiment la personne qui m'a motivé à m'entraîner. Et puis après, justement, avec le temps, quand je me suis renseigné sur toutes les danses du locking, tous les danseurs dans chaque pays et tout, bah après, il y en a plein qui m'ont donné envie. Mais est-ce que tu pourrais dire, s'il y avait un remerciement que tu devrais faire à quelqu'un pour l'époque dans ton origine, ça serait à qui par rapport à la danse? Honnêtement, ce serait... Je peux dire plusieurs personnes ou faut que je dise... Tu peux dire qui tu veux. Bah, les personnes que je remercie énormément, c'est mon ancien binôme qui s'appelle Osama, parce que c'est vraiment avec lui que je me suis entraîné pendant une bonne année et demie. Et après, bah, c'est tous ceux que j'ai rencontrés après, hein, tous les danseurs de nouvelle génération, tous les danseurs de l'ancienne génération et qui ont motivé à danser. Mais il y a surtout Prince aussi. Prince. Très bien, je te remercie. Voilà. Ouais, tu te sentiras mieux. Dédicace au Bab Nescrou, hein, ils se reconnaîtront. Et puis merci à tous les gens qui m'ont pris en main, c'est-à-dire Julien Almeida, Truand et aussi Jimmy Soul, que je remercie énormément. Très bien.